C'est pour un patron qui manque d'respect. Moi j'ai la flemme, travailler pendant 40 ans pour quelqu'un, je vois pas l'intérêt. Ils te disent travail, mais faut que le travail tu l'aimes. Et personne n'est devenu riche en bossant de 9 à 17. Pendant que je suis sur Call of, tu bosses, rebosses tes disserts. Et avec tes payes d'étudiants, tu te payes même pas de dessert. Alors bosser, 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 tu pourrais me dire à quoi ça sert. Quand tu vois que t'emporteras rien, quand tu seras 6 pieds sous terre. Tout est dit, je ne veux pas engraisser une société malade. Me donnez pas d'excuses, je suis pas un lapin pour gober vos salades. Quand tu nais dans une Rolls, la vie est facile. Ils cirent les bottes au boss pour un smic, vraiment les gens me fascinent. Tu racks plus que tu gagnes, t'as l'impression de jouer au casino. T'as gravi la montagne, on t'appelle pour dire que t'es pas si haut. Josh a faim, donc Josh doit remplir le frigo. Et Josh, pour trouver un taf, devra remballer son ego. J'ai envie de changer ma situation. J'ai beaucoup d'ambition, je veux investir en bourse, en action. STORSA, c'est pas le bon exemple. Manger des pâtes en fin de mois, surtout pas pour moi. Moi, pas qu'à check ça. Non, non, je veux ma propre maison. Oh oui, ne plus côtoyer les agios, maman. Je ne veux plus ressentir de frustration. Bibi, money, foutre ça tous. Pouvoir payer un billet d'avion, aller-retour sans escale pour mes futurs fistons. Hôtel 4 étoiles, la CAF m'aide à démarrer. Pour ne pas partir de zéro, maintenant à moi de démarcher pour trouver du boulot. Let's go, avoir des économies. Homies, collègues de bureau. Oh oh, me faire des amis. Sans vie, réussir ma vie, dis-oh. Mais comment dois-je avancer? Aurais-je les mêmes si la vie est pleine de surprises? Vais-je m'accrocher ou lâcher prise? Palage. Mais comment dois-je avancer? Aurais-je les mêmes si la vie est pleine de surprises? Vais-je m'accrocher ou lâcher prise? Climatique. Eh vas-y, vas-y, pour moi le taf c'est fini. Pendant 5 ans j'ai vécu la routine d'un CDI. Ils m'ont rendu complètement aigri à vouloir prendre emprise sur mon esprit. J'ai ressenti le besoin de ralentir, de prendre le temps, de faire mes propres choix pour vivre simplement, de faire mes propres pas, découvrir en voyageant, écouter mon cœur, la nature. Bref, construire autrement. J'ai troqué ce job néfaste pour un moment solennel en extase. Brocanter le matériel en vue de l'essentiel. Colorer mon décor à destination soleil. Mélanger joie de vivre et passion. Monter mon label et je bosse, bosse. Mes rimes ad lib en cabine. Bon mix mastering et je repars sur la roue. Sur la roue. Créatif avec la toile qui m'entoure. Au final, je me suis lassé de mon quotidien. Je ne veux pas me lever le matin, sachant que je ne ferai rien. Stagner dans sa zone de confort, ça ramène du réconfort. Mais pour me tirer au sommet, il faudra bien que je me renforce. J'ai besoin d'avoir beaucoup d'argent, ou même au moins un peu. L'argent ne fait pas le bonheur, en manquer ça rend malheureux. En avoir plus c'est encore mieux, être riche ça doit être le kiff. J'en rêve depuis le fond du bus, du jour où je mettrai bien la mise. La solution, c'est juste de trouver sa vocation. Tu n'auras plus à travailler si tu te lèves pour ta passion. C'est kiffant de gagner sa vie en faisant ce qu'on aime. Et si j'assure d'ici quelques temps à moi la vie de rêve. En attendant d'y arriver, j'avance sans arrêt, pas de trêve. Le soir je regarde les étoiles, sommeil arrive, repos je retrouve. Dès le petit matin, soleil arrive, les manches retroussent. Maintenant quand je pense à l'avenir, je n'ai plus la frousse. Mais comment dois-je avancer? Aurais-je les mêmes si la vie est pleine de surprises? Vais-je m'accrocher ou lâcher prise? Balade. Mais comment dois-je avancer? Aurais-je les mêmes si la vie est pleine de surprises? Vais-je m'accrocher ou lâcher prise? Son reggae trap, donc à craser ça. La plume, ça carré. Vous tape à la prod, Vini pour mixer. Willy John Loxé. Hi check, Léa. Dédicace à Vox Milo. Hi Diosa. Boudou.
Thank you.